là où l'en bas c'est du vent offshore ce midi sur la Canoë. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui s'éclaircit, variable à couvert, peut-être des averses de ci de là, une température extérieure qui est relevée à 19, 20 degrés, une température de l'eau qui est bonne à 19 degrés. On est sur une marée qui était haute à 11h et qui sera basse à 17h20 avec des petits coefficients de 31. Et le vent est orienté offshore, est-sud-est à sud-est. Il y a un beau fort établi, des petites rafales à 2 de temps à autre. Il y a 2 à 3 nœuds établis, des petites rafales à 4 à 5 nœuds. Et on a cette houle qui est moyenne à longue, hein, la houle de l'ex-tempête tropicale Nadine, orientée ouest-sud-ouest, 9 secondes de période, très propre, mais qui est en atténuation, qui devient un peu inconsistante. Déferlement régulier à 50 cm, série régulière comme vous le voyez là à 70 cm, et il y a des séries un peu plus longues à venir qui donnent 80 cm, il n'y a plus le mètre. Des vagues qui sont propres, jolies, sur une houle pas bien orientée, il faut trouver les meilleures bandes de sable. Les faces de vagues sont lisses, les épaules sont creuses, de bonnes conditions, il y a du monde à l'eau partout. Évolution pour le reste de la journée, la boire cachant regrossit un peu. Elle est à 1,70 m et 6 secondes. On attend à 13h encore 80 cm sur les séries. Houle ouest-sud-ouest, 9 secondes de période. Vent de sud-est, on a de beau fort. Et à 17h, 80 cm, voire peut-être un petit peu plus, un petit peu plus tard, sur une houle ouest-sud-ouest qui devrait s'allonger 10 secondes de période, avec un vent qui passera onshore, ouest-sud-ouest, mais faible. Donc des vagues lisses, propres, et il y a du surf et de l'action toute la journée. Petites conditions certes, mais bien posées, sur un bon banc pour cette houle ouest-sud-ouest, vous avez de très jolies conditions. On suit l'action sur le 08 92 29 78 73, à 14h, 16h, 18h. Bonne journée, bon surf si vous allez dans l'eau, merci.